Dans cette vidéo, nous allons calculer une expression numérique avec des fractions. Donc, nous allons voir sur deux exemples les différentes règles qu'on doit utiliser pour calculer avec des fractions. Premier exemple, grand A égale 3 quarts moins 5 sixièmes fois 3 demi. L'opération que nous devons faire en premier est la soustraction puisqu'elle est située entre parenthèses. Donc pour cela, nous devons d'abord mettre les deux fractions au même dénominateur. Ici, un multiple de 4 et de 6 le plus petit possible est 12. Donc pour cela, nous allons multiplier la première fraction, le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 3 pour obtenir 12 au dénominateur et le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 2 pour obtenir également 12 au dénominateur. Ceci nous donne 9 douzièmes moins 10 douzièmes. Nous allons effectuer la soustraction, nous soustrayons les numérateurs entre eux et nous gardons les dénominateurs communs, ce qui nous fait 9 moins 10 sur 12 et ce qui va nous donner moins 1 douzième. Donc nous obtenons moins 1 douzième fois 3 demi. Pour effectuer une multiplication avec des fractions, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ici, nous pouvons faire apparaître une simplification en remplaçant 12 par 3 fois 4, ce qui nous permet de simplifier cette expression par 3. Il nous reste au final que grand A est égal à moins 1 huitième. Vous pouvez dorénavant en troisième vous dispenser de certaines de ces étapes. Vous pouvez directement faire apparaître les deux fractions au même dénominateur, ensuite donner directement le résultat de la soustraction, faire apparaître la simplification et donner directement le résultat. Donc sur le deuxième exemple, grand B, 3 septièmes moins 15 septièmes divisé par 5 sur 24. Ici, l'opération prioritaire est la division. Donc nous avons vu que diviser par un nombre vient à multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser par 5 24e, nous allons multiplier par son inverse qui est 24 cinquièmes. Nous allons effectuer cette multiplication en essayant de faire apparaître des simplifications. En effet, 15 peut s'écrire 3 fois 5 fois 24 et les dénominateurs, on les multiplie entre eux 7 fois 5. Nous pouvons donc simplifier cette fraction par 5. Il nous reste alors 3 septièmes moins 72 septièmes. Ces deux fractions sont déjà au même dénominateur, nous pouvons donc effectuer directement la soustraction, 3 moins 72 sur 7, ce qui va nous donner moins 69 septièmes.